Salut, salut! Alors aujourd'hui, on reprend une vidéo que je voulais vous faire depuis un petit moment parce que j'ai commandé plein de petits articles sur AliExpress et du coup, j'attendais de tout recevoir pour pouvoir vous faire la vidéo, sauf que quoi? T'as les veines rouges dans les yeux. Ah bon? Ouais. Toi, j'ai pas mal aux yeux. Parce que je suis énervée. Ouais, elles sont tout rouges, tes veines, on dirait que t'as explosé tes yeux. Ah ouais. Donc du coup, j'attendais qu'un truc arrive et il a mis 40 ans à arriver, il est arrivé cette semaine, donc du coup, je me suis dit, ça y est, je vais leur faire la petite vidéo AliExpress. Et en fait, j'ai commandé plein de petits gadgets, beaucoup de choses pour bouffer. Comme ça, quoi. Mais sinon, j'ai commandé plein de petits gadgets et j'en profite aussi. Tout ce que je vous ai mis, tout ce que je vais vous parler là, je vais vous le mettre en barre d'infos. Ainsi que là, c'est l'anniversaire d'AliExpress en ce moment, ils sont en plein anniversaire. J'ai reçu un mail. Dans le même âge que moi. Je crois que c'est 20 ans. Hein. Et en fait, j'ai reçu un mail en disant putain, j'ai de la pâte à pain partout. Je viens de faire mon pain à cuire. Ouais. J'ai reçu un mail en fait en me disant qu'il y avait plein de promotions, il y avait plein de codes promo, il y avait plein de réductions, etc. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos. Et là, je vais vous énumérer les prix. Combien j'ai payé, tout ce que j'ai acheté, parce que j'ai vraiment payé pas ça cher du tout. Et d'où mon truc AliExpress. Donc du coup, je vous montre ce que j'ai acheté et je vous dis en même temps les prix. Déjà pour commencer, j'ai acheté des... Bon, je ne les ai pas prises là, mais j'ai acheté des softbox. Vous savez, des espèces de parapluies dont se servent les gens qui font des vidéos sur YouTube, etc. C'est des gros parapluies, je vais vous les filmer, je vais vous mettre la petite vidéo. Voilà, c'est comme ça, c'est sur le pied. Et... Hop, attendez. Voilà, et là, il y a la lampe. Voilà. Et avec le sac... Il y a de quoi ranger. Là, ouais, là, il y a le second parapluie. Et puis là, il y a l'ampoule. Voilà, la seconde ampoule qui va avec le second parapluie. Mais il y a aussi le petit sac pour pouvoir les ranger. Et du coup, ben voilà, c'est un petit parapluie comme ça. Qui est très, très pratique et qui sert bien pour la lumière, des montages vidéo, des photos, etc. pour les studios. C'est les gros parapluies en fait. Pour vous donner un peu plus de luminosité, un peu plus de... Voilà, que ce soit plus joli dans mon vidéo. Donc là, je filme juste avec un ring light. Et c'est vrai que j'ai pas pensé à le mettre parce que j'attends de préparer une petite pièce, qui est toute petite, mais j'attends de préparer une petite pièce pour pouvoir m'en servir. Donc je les ai payés 58,38€. Bon, les prix AliExpress sont pas tout à fait les mêmes. Des fois, ça change de jour en jour. Ça peut changer d'un ou deux euros. Ça peut être un peu plus cher ou toujours un peu moins cher, mais c'est jamais exactement le même prix. Mais ça pourra pas être 10 ou 20 euros de plus. Donc les petites softbox, je les ai achetées 58,32€, en sachant qu'il y a les deux softbox, les deux ampoules et le cabas pour ranger tout ce qu'il faut. Donc franchement, pour le prix, je me suis dit je les prends et je m'en servirai bien un jour ou l'autre. Ouais, ça coûte combien d'habitude? Qu'est-ce que c'est ça? Ben, je sais pas, ça doit coûter 100 balles peut-être. Enfin, je sais pas. Qui a un truc comme ça dans ses cheveux? Toi. Lève ça même. Ensuite, parce que ma batterie elle a pas duré longtemps, j'ai acheté... Alors ça, vous avez dû le voir passer chez tous les influenceurs que vous avez suivi depuis un petit moment. Moi aussi, et puis je voulais me l'acheter depuis que j'avais vu ça. Parce que c'est tout simplement un petit mixeur que vous pouvez emporter partout. Voilà, un petit mixeur portatif que vous rechargez. Que vous rechargez ici par devant. Voilà, commence pas à bouger. Ah oui, ok. Par devant et voilà, une fois qu'il est chargé, ben vous mettez tout ce que vous voulez, si vous faire des smoothies, vous voulez faire des jus, etc. et vous mixez. Donc là, vous avez la petite ouverture, voilà, ça filtre et tout. Donc ça, j'ai trouvé super joli, sauf que les influenceurs ils vendaient ça au moins 60€. Moi, ouais. Et je me suis dit non, je mets pas 60€ dans un truc comme ça. Hein. Ben moi, je l'ai trouvé sur AliExpress à 11,21€. Voilà, donc ouais, 11,21€, franchement, je l'ai pris rose parce que je suis une fille et c'est super pratique pour amener avec vous au bureau ou je sais pas. Ou... Après, vous pouvez même mettre ce que vous voulez, en fait, hein, tout ce que vous mixez, quoi. Ouais, je regarde. Et après, genre, imagine que tu bois et tu mixes en même temps, ça fait quoi? Je sais pas. Tu veux essayer? Ouais. Donc voilà, 11,28€, 21€, ouais, honnêtement, c'est pas... Je vais pas faire une citronnade aujourd'hui. Demain, ah ouais, on n'a rien le temps de faire aujourd'hui, on a fait beaucoup de choses aujourd'hui. La semaine prochaine. On n'a pas fait le dégustation du fromage. Après, arrête de me couper. Ensuite, c'est ce que je veux, tu m'as invité sur ta vidéo, je me communique avec tout le monde. Ce que j'ai acheté ensuite, alors ça je l'ai cherché partout pendant des années. Vous allez me dire, ouais, mais ça se trouve un petit peu partout. Déjà, je vous explique. Vous voyez le petit bitonneau, la petite coupignette là qui pend à l'intérieur. C'est tout simplement
Pose ton téléphone. Je serais belle avec les cheveux au carré, regarde. Pose mon téléphone, on est sur ma vidéo là. Regarde, je suis en train de voir. J'ai plus de batterie. Mais je serais pas belle avec les cheveux au carré. Non. Ah, dommage. C'est tout simplement pour mettre le thé. Vous voyez, là-dedans, vous l'ouvrez, vous mettez votre petit thé en poudre ou même votre gelée, là, les tisanes en gelée, là, comme l'aloe vera, etc. C'est bon ça? Vous le mettez là-dedans, ouais, c'est super bon. Et vous le refermez comme ceci. Vous allez me dire, oui, mais ça, il y en a un petit peu partout avec les infusions, etc. Non, 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 j'ai cherché partout. Les seuls qu'il y a, c'est avec l'ouverture, ben, comme ça. Voilà, il faut boire comme ça. Moi, je ne supporte pas de boire comme ça, dans un gros récipient. Je le cherchais vraiment avec une petite ouverture comme ceci. Et bien, je l'ai trouvé sur AliExpress. Mmh. En cherchant, j'ai cherché longtemps. Ouais. J'ai fait tous les magasins d'ici. J'ai fait tous les magasins d'ici, même avec Dounia. Mmh. Il y avait Dounia avec nous. Et finalement, j'ai trouvé sur AliExpress. Alors, moi, j'ai pris le blanc en sachant qu'il y a un bleu, un rose, un noir. Et un blanc. Et je le trouve super joli avec le petit chat et tout. Voilà. Et ça aussi, pareil, vous pouvez l'amener partout. Bon, c'est pas isotherme, hein, évidemment. Mais vous pouvez l'amener partout, faire du thé froid, etc. Attends. Et c'est vraiment bien. Alors celui-ci, je l'ai payé. Qu'est-ce qu'il y a? Ça s'enlève au moins l'étiquette, non? Quelle étiquette? Mais ça. Mais voilà. Mais oui, ça s'enlève. Mais il y a un petit chat dessus. Non, mais parce que j'étais en train de me dire, elle est où l'étiquette? On la sent pas de dehors. Comment? Tout ça pour ça? Ouais, c'est tout. Tu veux continuer? J'ai payé 7,79€. Donc je trouve super pratique si vous buvez beaucoup de, ouais, beaucoup de thé, etc. Je trouve ça pratique. Ouais. Pour faire le régime et tout. Enfin. Régime. Moi quand je pense à thé, ouais, c'est pas vraiment, ouais, je pense à thé, moi je pense régime. Il y a des gens qui le boivent sucré. Oui, il y en a qui aiment ça. C'est meilleur d'ailleurs. Moi je suis pas très thé. Moi j'aime bien le thé, mais sucré. Ça n'est pas. Moi j'aime les thés. Carabes. Ouais. Ensuite, alors moi j'ai acheté que des gadgets. J'adore les œufs crus. Les œufs durs. Oui, oui. Je mets les œufs crus. Non. Ça me dégoûte moi. Avant je les mangeais sur les frites. Ah, maintenant, il y en a qui les mangent sur les steaks tartare là, le jaune. Oui. Oh là là, je peux pas. Ben, steak cru et F cru. Ah, ouais, ouais, non. Tout cru. Ah. J'ai acheté ça. Alors, moi qui adore les œufs durs, j'ai toujours peur de mettre le. Enfin, j'ai pas peur, mais quand je mets l'œuf sur la casserole, j'oublie toujours. Soit je le laisse trop longtemps, soit pas assez longtemps, soit, ben, soit il est pas assez cuit, soit il est trop cuit. Donc là, j'ai acheté ça sur AliExpress. C'est un petit gadget, hein. C'est vraiment un petit gadget, mais c'est pratique. Vous mettez l'eau ici. Tu mets que ça d'eau? Oui, ça rentre à l'intérieur. Vous mettez vos œufs. Avec ça, vous mettez l'eau avec le doseur. Vous mettez vos œufs. Vous branchez, vous allumez. Hop. Non, on n'allume pas. Enfin, en branchant, en fait, ça s'allume tout seul. Ouais. Et en fait, ça cuit, ben, ça s'arrête. Quand c'est cuit, la petite lumière, elle s'arrête. Ça veut dire que vos œufs sont prêts. Et donc, ça fait combien de temps dans ça? 10 minutes. Ah, comme sur l'eau. Je ne surveille pas sur le feu. Je ne surveille pas, ça s'arrête tout seul. Et c'était un peu plus long. Non, ça s'arrête tout seul et puis ça veut dire que c'est cuit. Donc, moi qui mange beaucoup d'œufs, hein, j'ai pris rose aussi. Moi qui mange, qui adore les œufs durs, ben, au moins comme ça, si j'ai envie de me faire des œufs, je mets là, hop, je m'en vais et hop, ça s'éteint tout seul. Et ça, je l'ai payé 6,73€. Pas cher. En sachant que j'en avais un pour le micro-ondes, mais j'avais toujours peur que ça éclate les œufs dans le micro-ondes. Ensuite, ce que j'ai acheté. Alors ça, c'est très pratique quand vous partez en vacances ou parce que vous avez toujours 50 000 chargeurs. Par exemple, moi qui ai une Apple Watch plus mon iPhone, ben, j'ai acheté ça. C'est un portable, chargeur à induction portatif. Il se chargeait, c'est-à-dire il se branche, il n'est pas sans fil. Donc vous le branchez là avec le petit fil que j'ai dans la boîte. Voilà, le petit fil, etc. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ben, vous n'avez pas besoin de brancher deux chargeurs. Vous avez là par exemple, j'ai chargé mon téléphone et là j'avais mis mon Apple Watch. Donc du coup, ben, j'ai les deux qui chargent en même temps. C'est quand même assez pratique. Vous le mettez dans le sac, hop, ni vu ni connu. Alors ça, sachant que c'est un dupe de chez Apple. Chez Apple, je crois qu'il vaut 150€ au moins, minimum. Ou un truc comme ça. Ben, moi, je l'ai payé sur AliExpress 15,96€. Donc tu m'as demandé si ça chargeait vite. Ouais. Bon, c'est pas... Ah, ça charge pas de fou. Mais ça charge. Ouais. Après, je sais pas, je pense que celui de chez Apple, il si tu le laisses la nuit, ça charge. Quoi. Oui, celui de chez Apple, je pense quand même qu'il charge plus vite. Hein, parce oui, qu'on va se mentir, c'est de bonne qualité. Mais voilà, je me suis dit 15€, moi je me fais pas chier quand je pars en vacances, j'ai pas besoin de prendre 50 000 chargeurs, j'ai juste à prendre ça. Et je pose ça directement là-dessus la nuit, et puis voilà. Ensuite, toujours pour bouffer, j'ai acheté, alors vous allez me dire, c'est quoi ça? Une glacière, tu m'as dit. Oui, une glacière. Elle croyait que c'était une glacière. Bah, une mini glacière. Toute la charge, tu mets tes canettes. Ouais, c'est vrai. Alors, pas du tout, c'est un cuiseur de riz. Alors, moi, j'adore le riz aussi.
le riz parfumé, hein, pour ceux qui me suivent sur Snap, je tombe toujours sur du riz qui est pas trop bon. Et en fait, voilà, c'est un riz un cuiseur de riz. Ouais. Et en fait, c'est un petit compartiment, parce que j'en ai déjà un, mais c'est un gros, il y a même une cuillère, je l'ai laissé là-bas. Alors ça, par contre, si vous savez à quoi ça sert, peut-être pour faire cuire les trucs vapeur, je sais pas, ça se met comme ça. Alors moi qui adore le riz et que je suis souvent seule à en manger, j'ai voulu me prendre un truc à riz mais plus petit. Voilà, parce que j'en ai un mais en fait il faut mettre beaucoup de riz et je trouve que c'est pas nécessaire quoi, un gros truc comme ça pour mettre peu de riz. Donc là tu vois, je mange mon petit riz tranquillement tout seul pour un que pour moi. Et pareil, donc là vous le mettez, vous l'allumez comme ça et puis quand c'est chaud ça s'éteint automatiquement et je la trouvais trop mignonne. Ça prend de la place un peu. Non, c'est tout petit, hein. C'est cuiseur de riz. Ouais. Voilà. Et cuiseur de riz, c'est très très pratique parce que vous n'avez pas besoin de surveiller votre riz. Vous mettez le riz et vous mettez une phalange d'eau, pas plus, au-dessus du riz. Et le riz, il est nickel. Il est ni trop collant, ni trop mouillé. Il est nickel. Et puis vous n'avez pas besoin de surveiller. Ça tient au chaud. Ça fait tout. Voilà. Alors, quand vous avez envie de manger votre riz, il est chaud, il est prêt, il vous attend. Donc ça, je l'ai payé 28,67€. C'est comme ça qu'on fait le riz en fait. Le riz, ça goûte pas. Normalement, non. Parce que moi, j'ai jamais pris du riz hors sachet. Je prends toujours le riz en sachet que t'enlèves. Oui. Parce que justement, j'ai toujours peur de mettre trop d'eau. Ah oui. Du coup, à chaque fois, je prends le riz en sachet parce que le riz sans sachet, j'ai trop peur de mettre trop d'eau. Là, non. Si tu mets une phalange d'eau, t'as pas besoin de l'écouter. Il faut mettre un couvercle. Ouais. Voilà. Ensuite, ce que j'ai acheté, alors ça, vous allez me dire qu'est-ce que c'est. C'est un bandeau qu'on met la nuit. Et là, il y a des petits écouteurs tout mignons. Tout petit qui se sentent pas. Et là, voilà. Alors en fait, moi qui adore m'endormir avec tout ce qui est ASMR, les petits bruits et tout ça, j'adore. Ça me détend. Du coup, j'ai voulu acheter ça. Et en fait, vas-y, regarde, mets-le et dis-moi si tu sens. Parce que quand je mettais mes écouteurs pour écouter l'ASMR, ben en fait, ça me faisait mal dans les oreilles. Ils sont pas en face de mes oreilles. Ah, c'est bon. Donc là, même si tu te couches dessus et tout, ça te fait mal. Comment ça marche après ? Mais en fait, c'est par Bluetooth. Vas-y, mets-le. Ben, je sais plus où est l'application. Je te remettrai après. Moi aussi j'aime bien les trucs comme ça. Ouais, et en fait du coup. J'ai dit inutile, mais en fait non, c'est utile. Tu peux t'endormir avec. Tu peux mettre les musiques et tout. C'est un Bluetooth en fait, vous gérez sur l'application de votre téléphone, il faut que je la retrouve, je la montrerai. Et c'est lavable. C'est-à-dire que tu peux enlever, tu vois, l'intérieur. Ça, tu peux enlever l'intérieur pour les laver. Et tu peux enlever aussi ben, ça pour changer la pile. Non, ça se charge. Ça se charge. Il y a un petit trou, ben, il est là, et tu le charges. Et tu peux l'enlever pour le laver, parce que tu te laves ça normalement. Donc ça franchement c'est bien pour la nuit. Et ça je l'ai payé 8,41€, en sachant que... Et le son il est bien? Ouais, le son il est bien. Donc vous mettez ça, le soir ça vous fait pas mal, ça vous sert pas, le tissu il est nickel. Ouais. Et tu peux t'endormir avec. Ouais, on peut s'endormir avec, au bout d'un moment il s'éteint, on peut même je crois régler le temps pour qu'il s'éteigne. Ouais. Donc pour 8,41€ honnêtement c'est bien quoi. C'est des petits gadgets mais c'est des trucs que s'il le faut vous connaissez pas. Donc du coup, ça me fait plaisir de vous en parler. Ensuite, ce que j'ai acheté sur AliExpress, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai acheté les cils, mes cils préférés d'ailleurs que j'ai là, que j'ai coupé, qui deviennent de plus en plus minuscules et là, ils tiennent sur un fil, tu l'as vu? Là, donc là, je suis au bout de ma vie, ils tiennent sur un fil parce qu'ils sont vraiment bien, enfin ils sont pas bien, ils sont beaux. C'est les cils de chez Huda Beauty, sauf que c'est une catastrophe et ils sont... C'est de la merde, honnêtement c'est de la merde. Bon, on va pas dire c'est de la merde parce que c'est méchant, mais c'est de la mauvaise qualité. Donc ce que j'ai fait sur AliExpress, j'ai voulu m'acheter des cils, je les ai pas essayés mais ils me paraissent très grands quand même. Donc j'ai voulu m'acheter des cils. Voilà, des faux cils, sauf que moi... C'est beau, c'est tous les mêmes? Ils sont beaux, non c'est pas tous les mêmes. Oh, ouais, ceux-là ils sont beaux. Ouais, sauf que moi celui que j'ai sur moi, ils ont les... ils ont la base transparente et ceux-là non. Ils ont la base épaisse en fait. Ah, ils sont canons. Ouais. Ouais, je te jure, ils sont trop beaux. Et ils chatouillent, hein. Ils sont trop beaux. Ils sont beaux, hein. Salut. Alors, je me verrais pas faire des snaps avec des trucs comme mais ça. Ils sont beaux quand même. Et franchement, je les ai payés. Les Huda Beauty, là, je les ai payés 22€. Ah. Et je les ai payés 2,71€, ceux-là. Ouais. 2,71€. Donc, je vous mets le lien, évidemment, en barre d'infos si vous voulez les tester, hein. Je les ai pas encore testés, mais je sais qu'ils sont bien parce que j'ai eu des retours et j'ai vu les avis et ils ont l'air pas mal. Vraiment ? Tu sais pourquoi je mets pas de faux cils ? Non. Parce que j'ai peur que le jour où j'en mette pas, je me trouve moche. Ça, c'est le risque. J'ai pris une autre paire de faux cils. Pourquoi je l'ai deux fois, ça ? Je les vois. C'est quoi ?
So. Tu l'as pris deux fois ou quoi? Bah non. Ah mais non, j'ai toutes les commandes en deux fois là. Qu'est-ce que c'est ça? Alors je me suis trompée, je vais vous expliquer. C'est magnétique? Ouais, je me suis complètement trompée. J'ai pété. Commande. Oui, je suis pas allée au bon endroit. Alors ça, je me suis trompée. C'est des fossiles magnétiques, mais je les ai commandés. En fait, c'est quoi comme fossile? C'est les fossiles qui se mettent avec la pince. C'est-à-dire que tu les mets sur les deux pinces, soi-disant tu pinces comme ça, et ça se colle. Ouais. Sauf que moi, quand j'ai commandé ça, alors ça, franchement, je vous les décommande, je vous les déconseille, parce que j'ai pas eu la pince avec. Et quand j'ai envoyé un message au mec, il m'a dit, mais non, mais en fait, il n'y avait pas la pince. Alors que quand tu regardes dans le truc, il y a marqué ça plus la pince. Voilà. Tu vois, c'est votre gueule. En fait, il y a marqué, la pince elle est comme ceci. Il y a marqué ça, les fossiles plus la pince. Ouais, il y a marqué 8 pièces plus pièces. Voilà. Plus pince. Et en fait, quand je lui ai dit, il m'a dit non, vous avez commandé ce sans la pince. Et j'ai regardé, c'est pareil. Donc, du coup, je suis dégoûtée, je vous mets pas le lien parce que ça sert à rien. Ça sert à rien, vous allez vous faire arnaquer, donc je vous mets pas le lien. Tant pis pour lui. Je lui ai dit, tant pis pour vous, j'allais faire une vidéo, tant pis pour vous. Donc voilà. Donc c'était censé, vous savez, on voit dans la pub, soi-disant, vous mettez, quand vous faites ça, ça se met tout seul. Je voulais tester. Ben, du coup, ben, j'ai pas pu. À moins que tu trouves la pince ailleurs. Ouais, mais maintenant. Alors, moi, ce que je trouve la pince, mais j'ai pas envie de m'acheter la pince. Alors, ça, je l'ai pas ouvert, j'attendais avec impatience. Pourquoi tu l'as pas ouvert? J'attendais, je vous l'ouvre en vidéo, votre surprise. Alors, ça, c'est les vestes que j'avais vues. Ah, non. C'est que je devais m'acheter. C'est celle qu'elle devait s'acheter, et je l'avais mis dans mon panier, ça fait un moment, c'est un dupe de chez Zara. Et à chaque fois, elle me dit, ouais, elle est trop belle, et je l'avais mis dans mon panier, je me suis dit, allez, je l'achète pour voir comment elle est. Donc, c'est un dupe de chez Zara. Chez Zara, elle coûte combien? Je sais pas, 40. Coûte 40 euros ou 50, je sais pas. Et en fait, là, elle coûte. Je l'ai payé 18,65 €. Donc dis-moi si elle est bien ou pas. J'ai jamais vu la vraie, mais elle connaît. Essaye-la pour voir. J'ai jamais vu la vraie par en photo. Elle a la qualité, elle a pas mal. Ouais, ça va. T'aimes pas? Alors hein? C'est toi qui avais flashé dessus, t'aimes pas? Non, mais c'est pas ça. C'est qu'il faut la resserrer au manche, attends. Ben oui, il y a des trucs pour la resserrer. Mais je sais. C'est censé faire un boudin en fait, vous voyez. Ça sert plus, hein. On serre plus. N'exagère pas. Mais si. Celui-là, il se sert pas. On dirait qu'il se sert, mais. Là, je sais pas. Ouais, il doit y avoir le truc par là, mais où? Peut-être pas. Et celui-là aussi. Hop. Il y a la capuche derrière, tu la rentres dedans. Ah merde, j'avais pas vu. Hop. Et en fait, vous voyez, c'est un. Elle truc, est belle, hein. Attends, je vais te dire. Si c'est à peu près la même que Zara, ouais, c'est à peu près, la même. Donc ouais. Elle était à 40 euros chez Zara et là, Reste un peu sweet quoi. Elle est super belle, bien habillée avec ça, franchement, avec une robe ou quoi. Ouais. Elle est super belle dedans, elle est épaisse. Ouais, elle est de bonne qualité. J'ai pris taille M, ça va. Ouais. Et franchement, regardez, il y a de la transparence et tout, la transparence sur les manches. Franchement, elle est super jolie, habillée, elle est super jolie celle-ci. Et à la place de 40 euros, j'ai eu à 18 euros. Mmh. Et je sais même pas si elle est pas à 50 à Zara. Ouais, je pense que même elle est à 50. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, pareil. Voilà, pour que vous puissiez la prendre si vous la voulez. Ensuite, il te reste quoi? Rien. Si? Quoi? Le truc derrière là. Non, la boîte. Non, c'est ça. Ben c'est tout. C'est tout ce que j'ai acheté. Ouais, c'est tout ce que j'ai acheté. J'ai mis 40 batteries. À le recevoir, mais ça tombe bien. J'ai plus de batterie, donc je vous mets tous les liens en barre d'infos. Les promos, regardez bien, je vais marquer les promos qu'il y a. Je crois qu'il y a 10 euros pour temps d'achat, un truc comme ça. Je ne vais pas dire de bêtises, mais regardez bien, je vais tout vous mettre en barre d'infos. Dites-moi ce que vous avez aimé, si vous aimez les gadgets comme moi, les trucs comme ça. Moi j'adore. Mmh. Elle aime pas trop, mais moi j'adore. Ouais, j'achèterai toutes les machines inimaginables. Ouais. Là, j'ai encore acheté la machine à barbe à papa. Donc voilà, ben, dites-moi aussi si vous aimez les petites vidéos AliExpress que je vous en fasse. Je fasse des commandes et que je vous en fasse de temps en temps. C'est pas mal. C'est bien de recevoir des colis AliExpress. Ouais. Voilà, moi j'adore AliExpress et c'est là où on trouve de tout et pas cher. Bon, mais c'est tout. Je vous fais des gros bisous. Et toi aussi. Et moi aussi. Et puis on vous dit à très bientôt. Bye bye. Bye bye.